Salut, salut à toutes, salut à tous. Eh bien, ça y est, Aspire, ou Aspire si vous préférez, l'a fait. Le jeu Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered est sorti, ça y est, et on a eu l'occasion de le découvrir en direct ensemble le 14 février 2024, à l'heure où j'enregistre, eh bien c'était hier, et j'ai eu le bonheur de découvrir ce remaster en votre compagnie. Alors oui, avec un son pourri côté micro, puisque j'avais prévu de présenter tout ça sur PC, et avec ce micro-là, mais je me suis retrouvé obligé de le faire sur ma PS5 en dernière minute, puisque la version PC n'était pas disponible à minuit le 14 février, donc je me suis précipité sur la PlayStation sans avoir un micro potable, donc vous me pardonnerez, je l'espère, mais je vois que vous avez été quand même nombreux à réagir et à suivre ce direct ou à le regarder en replay. Bon, ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui, à partir de cette vidéo, eh bien nous allons tout simplement découvrir ensemble ce que vaut ce remaster, mais sous la forme de visite guidée, comme j'aime à le faire sur cette chaîne, vous le savez. Alors, le principe va rester le même, on va revisiter les jeux, découvrir les secrets, découvrir comment s'en sortir face aux énigmes, mais surtout, et ça c'est l'objectif de la chaîne, tandis que des fenêtres s'ouvrent toutes seules, je disais l'objectif secondaire de la chaîne, eh bien c'est de vous présenter les références culturelles présentes dans les jeux. Ça tombe bien, il y en a un peu plus dans le remaster, et de vous présenter également tous les éléments culturels qui entourent le jeu, ainsi que des éléments autour du développement. Alors, je vous parlerai évidemment des nouveautés, on va le faire aujourd'hui, mais nous le ferons aussi au fur et à mesure du jeu. On pourra s'émouvoir aussi parfois de certains ajouts ou regretter certains manquements. Mais en règle générale, je dois vous avouer que mes impressions premières sont d'avoir affaire là à un remaster fidèle qui crée de la nouveauté sans pour autant trahir le jeu original. Et ça, c'était très important. Aspire savait que les fans attendaient ça de pied ferme et seraient... très vigilant à ce type de détails et ne pardonnerait rien. Alors, on va pouvoir jouer en version moderne ou en version old school. Je vais vous parler de tout ça dans un instant. On sait déjà qu'avec notre manette, alors je vais prendre la manette Xbox pour jouer sur PC, on peut zapper entre le mode ancien et le mode nouveau simplement par l'appui d'un bouton. Alors sur PlayStation ou sur d'autres manettes, d'ailleurs c'est le bouton Start, n'hésitez pas à le faire pour vous rendre compte des différences, même si malgré tout on voit qu'ils ont un peu rehaussé l'image sur la version ancienne, mais c'est quand même ce qu'on voyait à l'époque. Alors, même les cinématiques, vous pourrez les voir dans l'un ou l'autre des modes. Ce sont les cinématiques de la version PlayStation, me semble-t-il, qui ont été utilisées, puisque sur PC, on avait des scan lines, ce sont des traits qui donnaient l'impression d'une image de téléviseur et qui gâchaient réellement la beauté de ces séquences FMV, comme on les appelait. Donc là, on va les retrouver, mais un peu rehaussé, un peu lissé, de manière à ne pas voir la pixelisation. Il y a déjà ce travail-là qui a été fait, je vous laisserai vous en rendre compte dans quelques secondes. Nous aurons aussi, bien sûr, l'occasion de voir la différence entre le mode char, le mode char d'assaut ou tank, et le mode des commandes nouvelles, le mode moderne. J'avais anticipé en vous disant que je ferais très certainement le jeu dans le mode moderne. Certainement pas. On va beaucoup en parler de tout ça dans quelques instants. Alors que dire pour commencer? Eh bien, d'abord que le jeu original est sorti en 1996, ça vous le savez. 1996, le 25 octobre sur Saturn, c'est la première console à en avoir bénéficié. Et puis quelques jours après, le 14 novembre aux États-Unis sur PC et PlayStation, et le 25 novembre pour le reste des joueurs, en tout cas sur l'Europe, toujours sur la PlayStation et sur PC. Il y avait une différence à l'époque entre les versions console et les versions PC, c'est que nous n'avions pas les musiques qui accompagnent le jeu pendant la partie gameplay. On avait la musique du générique, mais c'est à peu près tout.
alors que sur console, on avait des musiques d'accompagnement très jolies qui retentissaient à certains moments. Là, je vous rassure tout de suite, dans ce jeu, dans ce remaster, nous avons toutes les musiques de ce Tomb Raider 1. Sachez qu'on présentera le 2 et le 3, je m'y étais engagé aussi sur la chaîne, je ferai tout ce qu'il faut pour vous les proposer. Autre différence, sur PC, un peu plus d'un an après la sortie du jeu, était parue une extension, la fameuse extension Unfinished Business, 4 niveaux supplémentaires. Eh bien, le plaisir que nous aurons ici, regardez, c'est qu'en allant dans le menu Nouvelle Partie, nous allons avoir la possibilité de le lancer. Une affaire inachevée, tel est son nom ici. Nous verrons aussi que nous pouvons, ça c'est un petit avantage de cette version, nous pouvons choisir la langue. Et vous avez été très nombreux à vous interroger sur la langue. Alors on va regarder ça dans les paramètres audio. Vous voyez que le jeu s'est mis de base sur français. On va pouvoir changer ça, regardez bien. English, voilà, on a toutes sortes de langues. Certaines ne sont qu'en sous-titres, mais nous avons de la chance, puisqu'en français, eh bien, nous aurons les voix que nous avons connues à l'époque, dont la fameuse voix de Françoise Cadol, comédienne de doublage, qui a doublé Lara Croft pendant de nombreuses années, avant qu'il y ait un reboot complet de la licence. Alors, c'est un bonheur pour moi, parce que j'avoue que c'est une des doubleuses que je trouve parmi les meilleures, hein, c'est certainement la meilleure même, et on l'aura avec nous, on aura sa voix pour nous accompagner de manière régulière à chaque cinématique. Nous aurons les sous-titres, vous l'avez vu hein, dans le menu, on peut les activer, je vais les laisser. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des problèmes d'audition qui m'ont d'ailleurs remercié de laisser les sous-titres dans les jeux. Je n'ai pas forcément le temps de sous-titrer ce que je vous dis, mais ça au moins je tiens à le laisser. Et puis, nous aurons quelques petites surprises qui agrémenteront certaines de ces vidéos à l'occasion de certains niveaux. Je vous laisserai les découvrir, je n'en dis pas plus. Bah oui, les surprises, c'est pas fait pour être dévoilées. Oh non, mais quand même. Bon, et on va tenter un Nomad's Run, hein, un jeu sans trousse de secours. C'est pas gagné parce que j'ai vu qu'il y avait quand même quelques petites difficultés, hein, parfois pour diriger Lara aussi bien qu'à l'époque. Enfin, c'est peut-être parce que je suis pas encore habitué à cette nouvelle mouture, tout simplement. Et puis, Morlock a vieilli, hein, il a des cheveux blancs depuis l'époque où il vous présentait en 2014 les visites guidées autour de ces Tomb Raider sur PC dans la version d'origine. Bon, je crois que j'en ai dit pas mal, il est temps de se lancer. Dans les paramètres et les touches de contrôle, voici ce que vous allez pouvoir faire. Contrôle du char, alors c'est une mauvaise traduction pour dire contrôle façon char d'assaut, on peut aussi zapper sur contrôle moderne. Vous pourrez ici voir les touches de contrôle, ça va vous aider si vous êtes un peu perdu parce qu'il n'y a pas de notice avec le jeu. Donc vous allez voir à quoi correspondent chacune des touches, ici on les voit. Et je vais y revenir très régulièrement dans le jeu pour vous aider à vous y retrouver. Si vous prenez les touches façon moderne, elles sont différentes, hein, très différentes d'ailleurs. Vous voyez, marcher, c'est la touche croix ici, enfin la touche X, donc carré sur PlayStation. C'est pas évident. On peut sortir les armes à la manière des jeux actuels avec les gâchettes et tirer. Donc on sort les armes avec la gâchette de gauche et on tire avec la gâchette de droite. La roulade, ça reste la touche rond ou B. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, voilà, il y a quelques petits éléments qui vont vous perturber, je vous le garantis. Et le jeu ne permet pas de faire des pas chassés en mode moderne. Donc vous l'avez compris, on jouera en mode char d'assaut sans problème pour moi. Marchons vers l'action. Alors, c'est Walk to Action, je crois en anglais. Ça vous permet de contrôler la manière dont réagit le jeu pour engager la marche. J'essaierai de vous expliquer ça. Afficher les indicateurs d'action vous permet de mettre un petit point d'exclamation lorsque vous êtes tout proche, très proche même, d'un objet. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, à moins que le décor le masque un peu, vous verrez un petit point d'exclamation pour vous dire « Tiens, il y a soit quelque chose à pousser, à actionner ou à ramasser. » Les vibrations, ben on va pas s'en priver. Zone morte, c'est le moment... On m'a expliqué ça parce que je n'avais pas compris. Merci à ceux qui l'ont fait lors de la soirée en direct et lors de quelques commentaires aussi sur la première vidéo du direct, je précise. Hein. Vous pouvez bouger la manette
plus vous la bougez, et bah, plus ça va réagir. Alors ici, il y a une zone morte, c'est-à-dire que si vous avancez un peu, il ne se passe rien. Et si vous avancez beaucoup, ça bouge. Voilà, on va la mettre sur 3. Je trouve que ce paramètre par défaut était très bien. Inverser les commandes horizontalement ou verticalement, pas vraiment besoin de le faire pour moi. Et la sensibilité des contrôles peut être réglée ici. Voilà tout ce qu'on a. C'est tout, oui, ça ne va pas plus loin. Et nous allons jouer à ce jeu en 4K, mes enfants, parce que c'est la résolution proposée par ce remaster. Ce qui donne forcément un effet beaucoup moins pixelisé qu'à l'époque, hein, souvenez-vous. La résolution était vraiment pas chouette sur PlayStation, c'était en basse résolution. Sur PC, on avait quand même un peu mieux, hein, mais ça restait très pixelisé, surtout les textures où il y avait très peu de pixels à l'intérieur, donc on avait une sorte de bouillie de pixels pour représenter les décors. Alors ils ont gardé le moteur d'origine, ce moteur est très fidèle à ce que nous avons connu, hein, des blocs carrés. Mais ils l'ont relifté. Les textures sont souvent très bien senties, parfois un peu moins, on verra. Mais franchement, il n'y a pas trop à redire. Les effets sur l'eau sont très jolis. On a une ombre pour Lara, une véritable ombre qui parfois se balade un peu n'importe où. Bon, je pense qu'ils ont eu des petits soucis avec l'éclairage, hein, parce qu'il fallait respecter un moteur un peu très vieillissant et un éclairage qui s'adapte davantage à des jeux modernes. Alors on verra parfois l'ombre sauter un peu partout. Mais c'est quand même de temps en temps, c'est pas tout le temps, donc il n'y a pas trop à redire là-dessus. Voilà, et puis les effets que nous avions qui faisaient qu'on voyait bien les jointures entre les textures ont disparu. Mais je propose de vous en rendre compte, c'est le mieux, hein, en allant dans la demeure de Lara, première vidéo que je vous présenterai aujourd'hui. On va d'abord commencer avec les contrôles à l'ancienne, nous verrons ensuite les contrôles modernes pour que vous puissiez faire votre choix comme vous le souhaitez. Avant de continuer, puisqu'on présente le jeu, je tiens à vous dire que dès que vous lancez le jeu, vous arrivez sur ce panneau. Si vous voulez changer de jeu et aller sur Tomb Raider 2 et Tomb Raider 3, vous allez descendre comme ceci pour le 2, hein, et descendre encore pour le 3. Voilà. Au passage, l'iconographie du jeu était différente en langue anglaise. Certains l'ont peut-être vu en regardant des vidéos de Badass Games. Vous savez, c'est lui qui m'a donné envie de créer cette chaîne. Eh bien, Badass Games, lui, jouait bien sûr aux États-Unis. Il n'avait pas le logo que vous voyez là. Sur le 2 et le 3, il avait le logo suivant. Regardez, on va essayer de l'avoir. Voilà, celui-là. Vous voyez, c'était très différent. Et même pour le 3, ça donnait ça. Hein. Alors que si on revient en français, voilà, on retrouve celui qu'on a toujours connu. Mais moi, aujourd'hui, je suis dans Tomb Raider, tout premier du nom, et je vous propose d'aller dans le manoir. Bienvenue chez moi, je vais vous faire visiter. Et ça, c'est ce que tout le monde attendait. Lara sera-t-elle doublée par Françoise Cadol? Donc, c'est ce qu'on a pu découvrir ensemble. C'est un vrai bonheur, c'est elle. Ce sont les sons et les voix originales. Écoutez. Utilisez les touches fléchées pour aller dans le salon de musique. Mais on ne va pas tout de suite aller dans le salon de musique, mes enfants. Non, on a quelque chose à faire ici. Parce que j'ai repéré un petit truc. Dans le jeu, on a un mode photo qu'on active en appuyant sur les deux contrôleurs analogiques. Voilà le mode photo. Et on peut très bien zoomer avec en avançant ou en reculant, comme si on faisait marcher notre personnage. Et regardez ce que Lara est en train de lire. Vilcabamba, the lost city of the Incas. Alors la cité perdue des Incas, Vilcabamba, ça parle forcément à ceux qui connaissent le jeu. Eh bien, écoutez, c'est pas un hasard si ce livre se trouve ici. On va quitter le mode photo, je ne vais pas prendre de capture, mais si vous voulez en prendre une, eh bien, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est d'abord choisir ce que vous voulez faire, utiliser les touches LB et RB pour par exemple faire quelques ajustements. Regardez, oh, c'est sympa ça, voilà. Changer des traits sur le visage, alors je ne sais pas trop ce que ça peut donner ici. Ah oui, voilà, on peut la faire sourire, faire un clin d'œil apparemment. Je n'ai pas encore essayé, hein, je découvre avec vous ça. Et les vêtements peuvent être changés aussi, voilà. Bon, on va s'arrêter là. Il n'y a pas d'armes là, parce que bah, dans le manoir, elle n'a pas encore les armes, hein, c'est tout simple. Et vous pouvez, une fois que vous avez votre photo prête à être prise, masquer l'interface avec la touche A ou croix sur PlayStation. Voilà, c'est fait. Je ne prends pas de photo, on s'en fiche de celle-ci, elle n'est pas terrible. On appuie sur retour, voilà. Donc, c'est un premier élément. Second élément que j'ai pu remarquer,
c'est ce portrait. Il est très connu, ce portrait. C'est le portrait de la reine Elisabeth Ière d'Angleterre. Alors, on dit que ce portrait serait de George Gower. Il aurait été réalisé vers la fin des années 1580, de cette période-là. Pas étonnant de le trouver chez Lara, puisque Lara est britannique. Elle est née le 14 février, figurez-vous. Ben oui, c'est pour ça que le jeu est sorti un 14 février cette année, en 2024, tout simplement. Donc oui, elle est britannique. Forcément, elle a une certaine admiration pour son royaume, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas Elisabeth II, non, mais une reine qui a marqué les esprits, là aussi. Voilà, on a beaucoup, beaucoup de portraits dans le manoir qui, cette fois-ci, sont tout à fait visualisables. Je vais vous montrer ce que ça donnerait en mode ancien. J'appuie sur la petite touche. Voilà, on ne voyait pas grand-chose ici. Hein. Là, c'est beaucoup mieux. Second portrait que l'on voit ici. Eh bien, beaucoup vont vous dire « ça, c'est un portrait de Shakespeare ». Alors, non, on va nuancer. C'est le portrait d'Ashbourne, portrait identifié comme étant celui d'Hugh Hammersley, qui aurait été réalisé en 1611 à peu près, hein, et modifié probablement au 19e siècle pour passer comme étant un portrait de William Shakespeare. Mais ça n'est pas le cas. Le portrait a donc été identifié comme étant celui du Lord Maire de Londres, je l'ai dit, Hugh Hammersley, et vous noterez que pour les Oxfordiens, il s'agirait plutôt d'un portrait d'Édouard de Vere, comte d'Oxford. Bon, les spécialistes se disputent sur la question, mais bon, voilà, Lara possède un portrait de ce type chez elle. Juste à côté, à la droite de Lara, vous reconnaissez peut-être cette peinture. Alors, ça n'est pas une peinture qui existe, c'est tout simplement une œuvre issue de Legacy of Kain. C'est la représentation de Kain lui-même lorsqu'il était sous sa forme d'être vivant, d'être humain, avant de devenir un vampire. On l'avait déjà vu, ce portrait, en visitant, je crois que c'était Tomb Raider Anniversary et Underworld aussi, hein, dans le manoir. Voilà donc pourquoi il se trouve ici, parce que c'est un clin d'œil à Crystal Dynamics, ceux qui ont repris la licence Tomb Raider et qui étaient à l'origine de la saga des Soul River Legacy of Kain. Voilà, on a l'explication. Alors, pour avancer en mode tank, hein, char d'assaut, on va vers l'avant, Lara avance. Si on veut tourner, il faut faire comme on faisait dans les très vieux jeux. Hein. Lara, ici, c'est un très vieux jeu, Tomb Raider. On appuie sur la touche gauche ou droite pour la faire tourner. Et on peut appuyer sur avancer et faire tourner Lara en même temps pour lui faire faire un virage, tout simplement. Ça, c'est le mode à l'ancienne. Alors, c'est un peu saccadé parce que j'enregistre en même temps que je parle. Hein. Je vois que la carte graphique a un petit peu de mal à suivre. Avant d'évoquer le tableau que vous avez vu là, on va évoquer ces deux-là qui sont moins connus. Premier tableau ici, qui se trouve sur la gauche, c'est la lettre de Jean-Baptiste Corot, une huile réalisée entre 1865 et 1870, le peintre français à l'honneur chez Lara. À sa droite, vous allez reconnaître le joueur de luth. Alors, c'est une peinture c'est une peinture à l'huile, qui a été réalisée au début du 18e siècle. Et nous la devons à l'artiste français Valentin de Boulogne, un représentant de l'école du Caravage. Autre œuvre, vous n'avez pas manqué de la reconnaître celle-là, c'est le tableau le plus connu de Vermeer. Ici, c'est la jeune fille à la perle, bien sûr. Alors, c'est une huile sur toile qui a été peinte, vers 1665, par Johannes Vermeer, qui est vraiment saisissante. Hein. Le regard de cette jeune femme, en a captivé plus d'un. C'est pour ça que ce tableau est vraiment très apprécié pour les qualités qu'il dégage, tout simplement. Vous voyez, Lara, alors je ne sais pas si ce sont des originaux qu'elle aurait piqués dans les musées, ça m'étonnerait pas d'elle, ou alors des copies qu'elle aurait achetées sur Internet. Allez savoir. Quoiqu'en 96, Lara avait-elle Internet ? Les extérieurs sont visibles, même si nous ne pourrons pas les visiter dans ce manoir. Dans ce manoir, il n'y avait pas non plus encore Winston, donc on ne pourra pas l'enfermer dans la chambre froide, notez-le. En version ancienne, souvenez-vous, c'était une bouillie de pixels pas très jolie qui représentait les extérieurs. On ne se rendait pas vraiment compte
de ce qu'il y avait dehors, alors que là, on a vraiment l'impression de voir ce qu'on a connu dans les manoirs des jeux suivants, ça fait plaisir. Bah, je vous propose d'aller s'entraîner comme on nous l'a demandé. Ok, on va bouger un peu. Appuyez sur la touche de saut. Alors, à l'ancienne, la touche de saut, sur PC et Xbox, ce sera la touche X, et sur PlayStation, la touche carré. On appuie dessus. Recommencez en appuyant sur une touche fléchée, et je sauterai dans cette direction. Donc on le fait simultanément, et on peut sauter latéralement, en avant ou en arrière. Notez aussi que si vous appuyez sur la touche arrière sans sauter, hein, sans appuyer sur la touche de saut, Lara fait un petit saut. Alors ce saut, si on regarde bien les textures de l'époque, je ne sais pas si on va pouvoir les voir correctement ici, on peut à peu près les voir, vous voyez là c'est là où la jonction se fait entre chaque texture, si je me mets là, je vais sauter au bord de l'autre texture, c'est plutôt pratique avec le jeu de l'époque pour s'orienter et surtout faire des sauts bien calculés. On en avait besoin dans ce jeu, c'est ce que certains ont pu reprocher, et que d'autres ont beaucoup apprécié, comme moi, parce qu'il fallait pas mal calculer ces sauts pour les réussir, sous peine de mort, parfois, carrément. À présent, un mouvement nouveau qui existait dans Tomb Raider 2, 3 et suivants, et qui a été implémenté dans ce tout premier Tomb Raider, vous le voyez, on peut faire un salto avant, hein, un saut retourné, si vous préférez, c'est peut-être le terme, et on peut le faire en arrière, ça vous permet de changer de direction tout en sautant, c'est franchement très pratique. Quant aux pas chassés, on peut toujours les faire, mais notez bien qu'on ne les fait pas avec les gâchettes, comme c'était le cas à l'origine sur PS1. Vous devrez utiliser les fonctionnalités telles qu'elles étaient prévues dans Tomb Raider 3, à savoir appuyer sur la touche marcher, puis faire bouger Lara vers la droite ou vers la gauche. Grâce à ça, vous pourrez vous positionner de manière très précise devant certains objets ou leviers. Mais oui, Lara aime la précision. Voilà le salon de musique de Lara, où nous allons retrouver les mêmes œuvres que dans son bureau. Alors là, c'est pas la même tout à fait, mais je crois que c'est une autre œuvre représentant Élisabeth Ière. Et là-haut, nous allons retrouver les peintures qu'on a déjà vues un petit peu plus tôt. Là-bas, au fond, la lettre de Corot aussi. Tout en haut, c'est une tapisserie. Alors comment était-elle? Je ne sais pas si c'était la même initialement. Oui, c'est ça, c'était la même. Ils avaient utilisé la même. Alors j'ai cherché et j'ai fini par trouver ce qu'elle représentait, cette tapisserie. Eh bien, je sais désormais que c'est Pierre le Grand à la bataille de Poltava. On ne connaît pas l'artiste, mais on sait que c'est une tapisserie d'origine russe. Voilà, tout simplement. Donc là, ils ont cherché, je pense, à reproduire l'œuvre que les studios de Core Design avaient intégrée de manière très pixelisée, hein, initialement dans le jeu. Voilà. Est-ce que c'était la jeune fille à la perle là-bas? Non, hein, je ne crois pas. Non, ça n'était pas elle. Ça ne ressemble pas du tout. On avance. Oh, voici le grand hall. Excusez le désordre. Mais je veux tout envoyer au garde-meuble et les déménageurs ne sont toujours pas arrivés. Regardons ici cette nouvelle œuvre. Et celle-ci nous confirme que Lara a une sacrée collection chez elle. C'est l'homme au turban rouge, autoportrait présumé de Jan van Eyck, qui a été réalisé en 1433. Et juste à côté, on va essayer de voir grâce au mode photo, parce que Lara refuse de nous présenter l'œuvre qu'on a là. Mais nous avons nos astuces, comme vous le constatez. Alors il s'agit de Mary, reine d'Écosse en captivité. Ça fait référence à Mary Stuart. Ce portrait est d'ailleurs l'un des nombreux portraits de la reine d'Écosse lors de sa captivité en Angleterre. Ils sont connus, cette collection de portraits, sous le nom de Portrait de Sheffield. La date est peinte dessus, 1578, mais l'artiste reste anonyme. Voilà qui est fait. Continuons à progresser dans le manoir. Qu'avons-nous là? Et nous reconnaissons ici une nature morte avec une chienne et ses petits, par Franz Snijders, un peintre né à Anvers, dans les Flandres. L'œuvre est de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Voilà qui est dit. Alors sachez qu'on ne pouvait pas, au début, hein, dans ce tout premier manoir, on ne pouvait pas aller dans les pièces
qui se trouve là. On sait que c'est la chambre de Lara. On n'a jamais d'ailleurs pu aller non plus dans celle-ci. Hein. On ne sait pas ce qu'il y a. Sans doute la chambre d'amis, peut-être la chambre de Winston. Allez savoir, était-il enfermé à l'époque dans sa chambre ou déjà dans la chambre froide ? Pareil pour la porte là-bas au fond, on ne saura jamais où elle peut mener. Courez vers une caisse et appuyez en même temps sur la touche fléchée haut et la touche d'action, je sauterai dessus. Nous allons le faire, mais d'abord, admirez ici l'Arche d'Alliance. À l'origine, c'était ça. Et là, c'est ça. Évidemment, un gros clin d'œil à Indiana Jones. Et ça n'est pas un hasard si, ici, nous avons affaire à ce clin d'œil. Car Lara Croft s'inspire complètement d'Indiana Jones. Si vous revoyez le tout premier, vous remarquerez énormément de petits points communs. Le fait que c'est un guide qui amène Jones dans les lieux qu'il visite. Lara sera accompagnée d'un guide au tout début du jeu, on le verra dans la prochaine vidéo. Le fait que certains lieux ressemblent étrangement aux éléments que nous connaissons dans le film d'Indiana Jones. Voilà, il y a pas mal d'éléments architecturaux ou de paysages qui ont été largement repris des films, il faut le savoir. On nous a dit de courir vers une caisse et de pousser la touche avancée pour que Lara monte dessus. Donc vous appuyez sur action et vous avancez, et Lara monte sur une caisse. Vous pouvez aussi, si vous êtes suffisamment éloigné, donc d'une texture à peu près, vous pouvez sauter dessus comme ça, en appuyant sur sauter et avancer en même temps. Là, si vous faites la même chose, vous allez sauter sur la caisse suivante, normalement. Pas tout à fait, on s'est pris une bonne gamelle là, oui, parce qu'on avait plus d'une texture d'écart, ça fait mal. Tiens, mais quel est donc ce paysage ? Eh bien là, je m'étais laissé une petite pause, un petit blanc pour chercher, mais je n'ai pas trouvé, je sèche. Alors si vous le savez, faites-le moi savoir dans les commentaires. Bon, et il serait peut-être temps de s'entraîner, mes enfants. C'était autrefois la salle de bal, mais je l'ai transformée en salle de gym personnelle. C'est chouette, non ? Allez, un peu d'exercice. Très bien. Je ne cours pas sans arrêt dans ce jeu, en fait. Quand je dois être prudente, je peux aussi marcher. Appuyer sur la touche de marche et avancer jusqu'à la ligne blanche. Si vous appuyez encore sur la touche de marche, je ne tomberai pas, même si vous insistez. Allez-y, essayez. Donc là, vous voyez, j'ai beau appuyer sur la touche marcher, j'appuie, Lara ne tombe pas. Voilà, c'est ce qu'on nous a expliqué. Et je m'arrête exprès pour laisser à Françoise Cadol le temps de nous dire ce qu'elle a à nous dire, sinon ça coupe les phrases, je vous le dis tout de suite. Si vous voulez examiner les environs, appuyez sur la touche qui vous permet de voir, puis sur une touche de direction. Alors ça, c'est les explications du mode à l'ancienne. À l'époque, on n'avait pas encore les joysticks analogiques sur les manettes. Bah oui, jeunes gens, ceux qui n'ont pas encore vu une manette de PlayStation de l'époque, bah oui, il n'y avait pas les joysticks. Alors aujourd'hui, grâce à cette nouvelle version remasterisée, nous allons pouvoir utiliser le levier analogique de droite pour faire tourner la caméra autour de Lara. Alors vous pouvez la lâcher, elle va finir par se repositionner d'elle-même. C'est plutôt bien vu. Si je ne peux pas sauter assez loin, je peux toujours me rattraper de justesse pour ne pas tomber. Avancer vers la ligne blanche jusqu'à ce que je m'arrête de moi-même. Ensuite, appuyer sur la touche de saut et tout de suite après, sur la touche fléchée haut et maintenez la touche d'action enfoncée pendant que je saute. Appuyez sur la touche fléchée haut pour me faire grimper. Voilà, il ne faut pas lâcher la touche action, évidemment, pour réaliser ça. Lara restera accrochée, vous n'aurez plus qu'à la faire remonter. Si je prends de l'élan, je peux sauter ça sans problème. Avancez jusqu'à la ligne blanche jusqu'à ce que je m'arrête. Et appuyez sur la touche de marche, puis sur la touche fléchée bas pour que je prenne de l'élan. Appuyez ensuite sur la touche fléchée haut et sur la touche de saut tout de suite après. Mais en fait, je ne sauterai qu'au dernier moment, je ne suis pas folle. Voilà, nous avons pris de l'élan. Je vous signale une chose, c'est que vous pouvez aussi prendre de l'élan en faisant un petit saut arrière sans appuyer sur la touche marcher, comme ceci. Inutile d'utiliser la touche marcher lorsque c'est possible, évidemment. Vous aurez exactement l'écart nécessaire pour bien réussir votre saut, c'est même recommandé, tout simplement. Là, c'est plus difficile.
Nous allons refaire exactement le même saut. Mais vous maintiendrez la touche d'action enfoncée pour que je me rattrape en catastrophe quand je serai en l'air. Donc pour réussir, vous le savez, vous prenez de l'élan, vous allez courir et sauter, puis appuyer sur action, c'est le petit plus, on appuie sur action pendant le saut. Bien joué. Nous allons essayer de sauter ici. Appuyez sur la touche fléchée haut puis sur la touche d'action. Je n'ai pas la place de grimper ici, mais si vous appuyez sur la touche fléchée droite, je longerai la corniche pour trouver un passage. Et vous n'aurez plus qu'à appuyer sur la touche fléchée haut à ce moment-là. Bon, j'ai coupé la voix de Françoise, désolé. Appuyez sur la touche fléchée bas pour que je me laisse tomber. Ensuite, si vous gardez la touche d'action enfoncée, je me rattraperai dans ma chute. Voilà qui est fait. L'entraînement n'est pas tout à fait fini. Alors notez qu'il faut faire le parcours dans l'ordre, comme nous le demandait Lara initialement lorsque nous avons joué à Tomb Raider 3. Sinon, les voix ne s'activent pas. C'est comme ça que ça fonctionnait. Et là, nous avons un trésor qui vous vaudra un succès. Apparemment, j'ai pas les succès sur la version GOG. C'est pas grave. Tant pis pour moi. J'avais qu'à acheter la version Steam. Pauvre garçon. Je suis pas gâté. Alors en fait, les trophées étaient bien présents, je ne m'en suis rendu compte qu'une fois que j'ai quitté le jeu. On les voit ici. Je les ai bien obtenus. Alors on a obtenu le trophée, il y a tant à se souvenir ici, lorsque j'ai ouvert le mode photo pour la première fois. Ici, c'est le trésor que je viens d'évoquer, que j'ai trouvé. Et là, c'est lorsque j'ai terminé le jeu, en tout cas le niveau de la demeure de Lara. On y arrive. Voilà, tout simplement. Alors les trophées sur GOG n'apparaissent pas correctement, parce qu'ils ont dû désactiver cette option lors de la sortie du jeu. Ils se sont rendus compte, suite à la plainte de plusieurs utilisateurs, que l'affichage des trophées pendant le jeu faisait que l'écran devenait noir. Donc il y a un petit patch qui est sorti aussitôt pour corriger ça. On n'a plus la possibilité de les voir pour le moment. J'imagine qu'une mise à jour viendra. Vous voyez, si je regarde dans la gestion de l'installation, au niveau des fonctionnalités, je ne peux pas cocher l'overlay. C'est ce qui permet de superposer, c'est ce que ça signifie, superposer les messages. Bon, ben voilà, on espère que très vite, ça reviendra à la normale. Sur PS5, je n'ai pas eu ce genre de soucis, comme vous l'avez vu en direct avec moi. Et maintenant, un bon bain. La touche de saut et les touches de direction me permettent d'évoluer sous l'eau. Alors oui, je n'ai pas la version Steam, mais sachez que sur Steam, sur PS4 et PS5 et sur Switch, sur Xbox également, vous aurez des trophées. Ces trophées apparaîtront bien sûr lorsque vous les aurez obtenus, tout simplement. Voilà, et sur PlayStation 5, on sait qu'il n'y a pas les trophées de platine qui ont été refusés par Sony, qui a décidé de limiter les trophées, qui finissent par polluer les jeux. Certains développeurs s'en plaignent aussi, c'est pour ça qu'on n'en voit pas autant dans les versions PlayStation 5 aujourd'hui. Alors, pour plonger, on pourrait se laisser tomber dans l'eau. Je vous indique tout simplement les manipulations à faire pour plonger de manière jolie, de faire un saut de l'ange. Vous allez appuyer sur sauter, mais sur marcher en même temps. Tout en avançant. Ah, oh, de l'air. Utilisez les touches fléchées avant, gauche et droite pour me faire nager en surface. Appuyez sur la touche de saut pour me faire plonger et nager sous l'eau. Pour me faire sortir, dirigez-vous vers le bord et appuyez sur la touche d'action. Donc voilà, vous allez appuyer sur sauter pour que Lara nage et la diriger avec les flèches. C'est pas plus difficile que ça. Si vous voulez aller vers le haut, vous allez vers le bas. Et si vous voulez aller vers le bas, vous allez vers le haut. C'est important de le savoir pour ne pas se retrouver noyé dans la propre piscine de Lara. Et pour que la partie démo, la partie initiation, entraînement s'arrête, et pour quitter la demeure de Lara à l'époque, il suffisait de sortir de l'eau. Super. Bon, je ferai mieux d'enlever ces vêtements mouillés. Ah, là, elle ne veut plus s'arrêter, l'ami Lara. Bon, écoutez, sur PlayStation 5, j'ai bien vu qu'on sortait du jeu. Là, on n'en sort plus. C'est comme ça. «
Alors, en attendant que je retourne moi-même manuellement vers l'écran d'accueil, je vous montre quelque chose que j'ai oublié, à savoir que vous pouvez aussi faire des roulades dans l'eau pour changer de direction, comme on pouvait le faire dans les Tomb Raider suivants. À l'origine, dans le 1, ça n'était pas possible. Alors, ce que nous allons faire, c'est appuyer sur la touche menu. Hein. Le menu va nous permettre de voir que nous avons une boussole. La voici. Et ce menu, alors je l'ai moi sur ma touche de commande qui va correspondre à Select sur PlayStation, tout simplement. Voilà. Si je vais vers le bas, je vais aller dans les options. On va trouver le fameux passeport de Lara. Le passeport qui nous permet soit de faire une nouvelle partie ou de sortir et retourner vers le menu. On pourra aussi faire les ajustements du son et des contrôles. Bon, on va revenir au niveau du menu. Et nous allons recommencer ce niveau d'entraînement avant de jouer. Pas là, là, tout simplement, c'est là. Je vous montre les contrôles modernes avant de terminer sur cette première partie de vidéo. Tiens, regardez la différence là. Hop, pixelisé, pas pixelisé. Et même sur l'écran de chargement, vous pouvez le faire, ça va très vite. Attention, hop, 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 vous voyez, voilà. Bienvenue chez moi, je vais vous faire visiter. Alors, mes enfants. Les contrôles modernes, ça peut marcher à la souris. Là, je suis en train de m'en rendre compte. Mais ça va surtout être utile avec la manette. Bon, à vous de choisir. Alors, je ne vais pas parler de la souris et du clavier, à vous de découvrir, mais je vais vous parler des contrôles tels qu'ils se font sur cette version moderne. Alors, il y a pas mal de différences. Bon, on se déplace avec les joysticks analogiques, hein, ou avec les touches fléchées. Utilisez les touches fléchées pour aller dans le salon de musique. Et vous voyez que Lara, eh bien, va là où nous voulons. Il faut utiliser le levier analogique de droite pour l'orienter, comme dans les jeux modernes. Alors, c'est pas forcément un rendu très bon pour ceux qui n'ont pas l'habitude. La touche action, ça n'est plus la touche croix ou A, ça sera R2. Alors, la gâchette de droite, hein, pour parler français. Hop, j'appuie sur R2 tout en avançant, Lara monte. Pour marcher, il faut appuyer sur carré. Alors sur la touche X sur Xbox et PC. Carré vous permet de marcher tout en dirigeant Lara. Elle ne fera pas de pas chasser sur la droite ou la gauche par contre. Hein, ça ne marchera pas ici. Bon, regardez, je vous l'ai dit, c'est le stick. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tirer, on ne peut pas le faire ici, on verra ça plus tard. Sauter. Ben, sauter, c'est la touche qui servait autrefois à l'action. Ben, j'appuie sur la touche croix ou A et je saute. Voilà, comme ceci. On peut aussi utiliser la touche roulade qui n'a pas changé. Elle, c'est la touche B ou rond sur PlayStation. Voilà, roulade. Si on veut ramper, non, on ne va pas ramper dans ce Tomb Raider, ce sera L1 qu'il faudra utiliser, donc la touche qui est ici, en haut. Voilà. On ne rampe pas dans le tout premier ni dans le 2 d'ailleurs. C'est que dans le 3. Et enfin, le mode photo ici s'obtient avec R1 et L1, me dit-on, mais non. Non, non, c'est pas vrai. Hein. Sur PC, ça reste les boutons, les leviers analogiques que l'on enfonce en même temps, les deux leviers. Je quitte. Bon, allez, on va essayer de faire le mode d'entraînement comme ça. Ok, on va bouger un peu. Appuyez sur la touche de saut. Donc la touche, action pour recommencer en appuyant sur une touche fléchée et je sauterai dans cette direction. Alors vous voyez, pour les sauts latéraux, bah, c'est beaucoup moins évident qu'avant. On ne peut pas faire une succession de sauts en allant là où on veut. On peut faire celui-là, mais il faut repositionner la caméra pour sauter ensuite comme ça. Vous voyez, repositionner. Moi, je trouve qu'on va perdre un peu de temps en faisant ça. À moins qu'il y ait une technique, hein, mais je ne l'ai pas trouvé personnellement. Peut-être qu'en marchant, on va essayer. Hein. Non, marcher nous fait faire le fameux saut roulade. Hein. Voilà, magnifique. Bon, c'est plutôt bien, c'est le fameux plongeon, le saut de l'ange. Alors vous me connaissez, je suis perspicace et j'ai fini par trouver, pendant que je faisais le montage de cette vidéo, que l'on pouvait faire ces sauts latéraux en sortant les armes. Donc j'ai démarré le premier niveau pour vous le montrer.
Pour sauvegarder, on m'a posé la question, pour sauvegarder sur PC, appuyez sur F5. Ça sera plus rapide. Sinon, sur console, vous devrez aller jusqu'au passeport et choisir la bonne option. Ne vous trompez pas, comme je l'ai fait dans la vidéo en direct entre sauvegarder et charger. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Eh bien qu'on va continuer l'entraînement en essayant d'utiliser ces contrôles. Vous allez vite comprendre ma peine. Je ne cours pas sans arrêt dans ce jeu, en fait. Quand je dois être prudente, je peux aussi marcher. Appuyez sur la touche de marche et avancez jusqu'à la ligne blanche. Si vous appuyez encore sur la touche de marche, je ne tomberai pas, même si vous insistez. Allez-y, essayez. Si vous voulez examiner les environs, appuyez sur la touche qui vous permet de voir, puis sur une touche de direction. Alors vous pouvez utiliser ici non pas la touche pour voir, mais le levier analogique de droite. Et si vous appuyez sur le levier analogique de droite, ça recentre la caméra, sachez-le. Ça zoom, et là, non ça zoom, autant pour moi, ça zoom, voilà, et vous ne pouvez plus avancer. J'ai beau bouger mon levier, je ne peux plus bouger, il faut rappuyer sur la gâchette, pas la gâchette, sur le levier analogique de droite pour débloquer. Si je ne peux pas sauter assez loin, je peux toujours me rattraper de justesse pour ne pas tomber. Avancez vers la ligne blanche jusqu'à ce que je m'arrête de moi-même. Ensuite, appuyez sur la touche de saut et tout de suite après, sur la touche fléchée haut et maintenez la touche d'action enfoncée pendant que je saute. Sauter. J'ai plus l'habitude. Raté. On va recommencer. Je vous l'ai dit, c'est pas évident. On l'a cogné parce que je n'ai plus l'habitude des commandes. Je n'ai vraiment pas envie de jouer avec ce mode. Allez, action, c'est la touche R2. Sur la touche fléchée haut pour me faire grimper. Donc on avance. Si je prends de l'élan, je peux sauter ça sans problème. Avancez jusqu'à la ligne blanche jusqu'à ce que je m'arrête. Et appuyez sur la touche de marche, puis sur la touche fléchée bas pour que je prenne de l'élan. Appuyez ensuite sur la touche fléchée haut et sur la touche de saut tout de suite après. Mais en fait, je ne sauterai qu'au dernier moment, je ne suis pas folle. Là, c'est plus difficile. Nous allons refaire exactement le même saut. Mais vous maintiendrez la touche d'action enfoncée pour que je me rattrape en catastrophe quand je serai en l'air. Ouais, bon. C'est pas gagné dans ce mode. Hein. En plus, il faut recentrer la caméra. Bon, on n'arrête pas. Alors, l'intérêt qu'il y a, vous allez le voir, je vais vous le montrer. Ah oui, j'ai pas appuyé sur la touche. La bonne touche. Je vais me le refaire, celui-là. Bien joué. Voilà, il faut appuyer sur R2 pour se rattraper. Alors, il y a un petit avantage à R2 ici. Voilà, dès que vous vous faites tomber, que vous appuyez dessus, la rat se rattrape, même si vous étiez dans l'autre sens. On me l'expliquait, allez vers un rebord, courez, appuyez sur R2, sans faire autre chose qu'avancer, elle se rattrape. Et en plus de ça, si vous vous rattrapez avec R2, alors on va le refaire, je vais sauter et m'attraper, je ne tiens plus rien, et la rat reste accrochée. Et si je rappuie sur R2, il ne se passe rien. Il faut appuyer sur rond pour qu'elle lâche. Voilà, c'est un petit avantage parfois, on n'a plus besoin de laisser enfoncer le bouton d'action, hein, R2 ici en l'occurrence. Nous allons essayer de sauter ici. Appuyez sur la touche, je n'ai pas la place de grimper ici, mais si vous appuyez sur la touche fléchée droite, je longerai la corniche pour trouver un passage, et vous n'aurez plus qu'à appuyer sur la touche fléchée haut à ce moment-là. Je lui coupe la parole à chaque fois, décidément. Appuyez sur la touche fléchée bas pour que je me laisse tomber. Ensuite, si vous gardez la touche d'action enfoncée, je me rattraperai dans ma chute. Alors on me dirait qu'il y a quelqu'un qui parle en même temps que Lara. Est-ce qu'elle écoutait la version anglaise pendant qu'elle parlait, Françoise Cadol ? Je ne sais pas. Voilà. Moi, je ne me suis même pas rattrapé. Bon, on va terminer maintenant, sur ce... un bon bain. Sur ce mode tank. Les touches de saut et les touches de direction me permettent d'évoluer sous l'eau. Donc la touche de saut... Eh ben, la touche de saut ne fait rien ici. Non, elle ne fait rien. Il faut avancer comme ceci. Ah, oh, de l'air.
Utilisez les touches fléchées avant, gauche et droite pour me faire nager en surface. Appuyez sur la touche de saut pour me faire plonger et nager sous l'eau. Pour me faire sortir, dirigez-vous vers le bord et appuyez sur la touche d'action. Alors, c'est pas évident de nager, je trouve, dans ce mode. Lara ira dans le sens où vous l'orientez. Il faut appuyer sur la touche saut pour plonger, mais une fois que vous avez plongé, la diriger dans l'eau. Alors, je pense que c'est avec la caméra qu'on s'oriente, hein. Voilà, pour aller au fond. Utiliser la caméra. Et c'est sûr que là, le problème, c'est que vous n'avez plus que la touche action de disponible, puisque vos mains sont prises ailleurs. Hein, donc, et heureusement qu'à la gâchette R2 pour action, sinon ça ne serait pas pratique. Pour remonter, on va mettre la caméra vers le haut. Voilà, je ne suis pas du tout convaincu par ce mode, hein, donc on ne l'utilisera pas, j'en suis désolé. C'est ce que j'espérais pouvoir faire, mais certainement point, mes amis. Allez, sortons de l'eau. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça du tout. Lara remonte et sort de l'eau. Ah, ben là, c'est sorti tout seul du menu. Ça a même pas laissé le temps à la voix de Françoise Cadol de nous dire ce qu'il y avait à faire. Bien, pour terminer, on va reprendre les commandes à l'ancienne. Hein. Vous voyez pourquoi maintenant. Vous me direz ce que vous en avez pensé, vous, si vous avez joué au jeu, si vous avez préféré ce nouveau type de commande. Et on m'a posé la question, comment quitter le jeu ? Bah, tout simplement en allant sur le passeport, comme ça se faisait autrefois sur PC. On ouvre le passeport et on va vers la droite pour arrêter le jeu. Voilà, c'est aussi dans le passeport en cours de jeu que vous pourrez sauvegarder ou charger une partie. On m'a posé la question, nous le verrons dans la prochaine vidéo. Donc si vous voulez sauvegarder, il faut aller dans le passeport en appuyant sur le menu des options et aller vers le bas, hein, pour le trouver. Une fois que vous l'avez ouvert, cherchez la page qui vous intéresse et vous pourrez exécuter l'action souhaitée, charger, sauvegarder ou revenir vers le menu ou arrêter le jeu comme ici. Eh bien, je vais l'arrêter le jeu en vous souhaitant de longues journées et de plaisantes nuits et en vous disant à très vite. Salut !